Bon, bah, beaucoup de pistes de réflexion effectivement ici sur la question du rôle de l'artiste dans des projets collectifs. Alors, Cécile Cross, je vois, dit qu'elle a une question, donc bah, Cécile, je t'invite à la poser directement. Oui, ben, merci beaucoup aux trois intervenantes de ce matin qui ont proposé des pistes extrêmement intéressantes et il me semble complémentaires également. J'aurais effectivement une question relative à cette notion de repérage de qui est l'artiste, de ce qu'il peut faire et avec qui. Puisque Nancy a proposé quand même des formes très théâtrales identifiées comme artistiques, donc assez abouties. Maud, excusez-moi de vous appeler par vos prénoms, c'est pour aller plus vite. Vous pouvez m'appeler Cécile aussi, hein, si vous voulez. Maud, un travail donc avec des personnes qui sont traditionnellement repérées comme en situation de handicap. Et Marianne donc travaille avec un autre public ciblé cette fois-ci également avec une co-élaboration, co-partage, co-création des projets, si j'ai bien compris, qui sont dans l'esprit de l'éducation populaire et aller chercher donc le pouvoir d'agir des citoyens, des citoyennes en l'occurrence. Ceci dit, l'artiste ici est moins repérable, sinon comme agent actif dans le projet. Hein. Alors, cette question, elle est relative à la création d'une œuvre qui fait œuvre, en fait. Parce que si je ne connais pas l'association de Maud Verdier, je connais à Bordeaux la Klaus Compagnie, qui est dirigée par Jean-Philippe Cross, qui. Travaille avec, ça s'écrit pas comme moi, Cross, qui, non, même pas, c'est avec un K, Jean-Philippe Cross, je dis n'importe quoi. En tout cas, ça s'écrit pas comme mon nom, c'est pas de la famille. Et qui donc travaille avec des personnes en situation de handicap moteur pour une compagnie de danse et qui crée de véritables spectacles, qui était une des pistes dégagées par les questionnements de Maud, de véritables spectacles qui doivent pas être perçus comme quelque chose qui est propre à des personnes handicapées, mais vraiment un spectacle de danse, point, quoi. C'est pas, voilà. Et il y a à la fois, ce sont des danseurs qui sont avec différents handicaps ou pas de handicap du tout, en fait. Hein. Ça peut être des spectacles avec des. Donc, cette teneur de quelque chose qui va être une création, qui va faire plaisir, qui va grandir les personnes participantes. Donc, c'est une question là plutôt à Marianne, qui va dans le sens de ce qu'a dit Nancy et qui rebondit sur ce qu'a dit Maud. Voilà. Donc, l'utilisation finalement de l'art pour créer quelque chose qui va valoriser les personnes qui vont participer en disant, nous, on a fait quelque chose de, alors, entre guillemets, beau, c'est pas forcément de la beauté, mais de grand, de quelque chose qui va être remarqué, remarquable, une exposition, un spectacle, les gens vont vraiment apprécier, vont dire, nous, ça nous apporte quelque chose, on est heureux de l'avoir vu, on est heureux d'y participer. Donc, est-ce que cette dimension-là vous semble, toutes les trois, importante? Ou bien finalement ça aussi, il faut le remettre en cause et trouver autre chose et que la participation suffit. Moi, si je peux me permettre, j'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Juste, ça m'évoque le fait que dans les droits culturels, ou en tout cas l'accès à la culture, alors j'aime pas dire l'accès à la culture, hein, il y a des cultures, mais quand on travaille, enfin. Les travaux qui sont menés, en tout cas dans les structures sociales ou éducatives, je pense qu'il est
important, en tout cas, qu'il y ait à un moment donné restitution du projet, c'est-à-dire valorisation et médiatisation de ce qui a été fait, et que ce soit donné à voir. Après, ça pose la question de la manière dont comment c'est médiatisé. Parce que souvent, enfin, j'ai pu voir en tout cas que c'était parfois les institutions qui tiraient à elles pour entre guillemets, se faire bien voir, c'est-à-dire, oh, regardez, on travaille avec tel public, on a tel financement. Alors, bon, c'est peut-être un petit peu, un petit peu dur ce que je dis, mais il y a une manière de, en tout cas, de restituer ou en tout cas de médiatiser le travail des gens. Sans. Oui, avec, en tout cas, avec, enfin, sans stigmatisation, voilà, surtout. Sans stigmatisation, parce que ça serait poursuivre ce que justement, on ne veut pas qui se passe. C'est-à-dire, il y a une manière de faire, un savoir-faire, ou en tout cas, comment on valorise et comment on restitue le travail sans stigmatiser encore. Donc, je pense que il est important qu'il y ait quand même… effectivement, hein, je dis, on n'est pas dans de la production. On m'a déjà dit, mais en quoi ils vont être acteurs, en fait, les gens? Bah, là, je mène un autre projet actuellement où il est toujours question de photos et de textes. On me dit, mais en quoi ils sont acteurs? Bah, si, ils sont acteurs. Ils écrivent, ils verbalisent, ils prennent part au projet. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension de comment, voilà, comment. On… Donc, il y a une œuvre qui est importante, mais c'est pas tout, quoi. C'est pas, il n'y a pas que ça. Enfin, il doit y avoir, ça doit être des rencontres, des échanges, ça doit permettre à quelque chose de plus grand. Enfin, une ouverture sur, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, pour moi, ça pose aussi du coup la question de la professionnalisation et du statut du coup de l'artiste de scène par rapport à l'Inde dont j'ai parlé là. C'est vrai que là, j'ai montré des artistes qui se professionnalisent et qui se disent artistes, danseurs ou acteurs professionnels. Il y a aussi d'autres cas dont là, je n'ai pas parlé parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais qui fera l'objet d'une autre communication d'un metteur en scène au Tamil Nadu qui, lui, travaille avec des fermiers essentiellement et qui donne une parole aux sans-voix, donc qui est la terre, les animaux et les… Et ce qu'on ne perçoit pas forcément à notre niveau d'humain, en tout cas, notamment avec un réel engagement de défense d'une certaine communauté, de rituels, et qui, comme je l'ai dit, disparaissent, et aussi contre la déforestation, etc. Donc là, on n'a pas des acteurs professionnels, mais on a un metteur en scène donc, qui est metteur en scène. Et c'est vrai qu'en Inde, par contre, la professionnalisation dans les arts de la scène, c'est quelque chose de compliqué. L'artiste n'a pas un statut comme, en tout cas, on peut l'avoir ici, le statut d'intermittent du spectacle qui est encore là. Et voilà, c'est compliqué. Tout ce qui est, on va dire, art classique dit traditionnel sur la scène contemporaine sont souvent des gens qui payent pour se produire, en tout cas en Inde. Et voilà, il y a très peu de structures aussi qui financent. Donc voilà, moi, ça me pose cette question-là. Mais après, une fois que l'œuvre est là, elle a en effet cette indépendance qui va porter sa voix. Et dans le cas de l'art activiste, de faire justement une prise de conscience voilà, chez les gens qui peuvent voir. Je peux. Est-ce que vous pourriez écrire dans la conversation le nom du dernier que vous avez cité? Merci. Oui. Et puis nous dire quand le prochain article sortira, donc aussi. Merci. Oui, bah, ce sera dans une publication papier, un livre, et ça sera à l'automne hein, prochain. D'accord, si vous pouvez y penser, le faire passer par Nicolas, par exemple, c'est intéressant. Avec plaisir. Merci. Ouais. Je peux. À mon tour. Oui, par rapport à la question de la participation suffit-elle hein, que vous avez posée, Cécile, on peut considérer, hein, on peut toujours considérer qu'il suffit de mettre une personne différente sur scène pour créer de nouvelles esthétiques. Et l'artiste en situation de handicap, que ce soit physique ou mental, parfois il semble être à même de posséder pour certains metteurs en scène ou chorégraphes
cette grâce de la présence, hein, cette présence sur scène qui est tellement précieuse pour un comédien et pour les performances. Et par exemple, Pippo Del Bono, que vous, certainement, dont vous connaissez tous les travaux, quand il est sur cette question de la présence justement de la personne en situation de handicap sur scène, pour lui, ça n'est pas lié à la nécessité de rendre une minorité visible, hein, pas du tout. Lui, c'est vraiment lié à un idéal esthétique qui est celle qu'il appelle la représentation sans représentation, hein, l'idéal brut, sans beauté. Ça participe aussi, par exemple, du fait qu'il filme aussi avec son téléphone portable. Hein. Je le cite, tu retrouves le néo-réalisme des grands maîtres avec le téléphone portable. Et il tourne avec un acteur qu'il a rencontré dans une institution psychiatrique. Et il dit de lui, il ne joue pas, il est. Hein. Être, donc, pour un comédien en situation de handicap, ça semble pouvoir suffire, hein, au nom de l'art. Mais on peut aussi envisager une autre position qui est de maintenir que les comédiens en situation de handicap, quels qu'ils soient, peuvent tout jouer. Et y compris ce que la personne est aussi, hein, dans ses empêchements, dans ses particularités, ses façons de parler, des difficultés d'élocution par exemple, une certaine façon de se mouvoir dans l'espace pour les personnes dans les fauteuils par exemple. Mais aussi, et c'est ce qui est au fond le plus difficile, aussi la possibilité de se mettre à distance de soi-même, de jouer autre chose que ce qu'on est, y compris dans des formes d'humour, hein, ironique, et donc de pouvoir occuper des rôles à contre-emploi. Ça semble évident pour un comédien d'occuper des rôles à contre-emploi. Eh bien, pour les comédiens en situation de handicap, ce sont des situations en définitive assez, pour l'instant, relativement rare, hein, mais enfin bon, parce que en fait, pouvoir occuper cette position, ça suppose de surmonter un certain nombre de difficultés et qui sont liées à ce qu'est la personne, hein, précisément. Dans ce cas, en tout cas, l'idée, ça serait de ne pas enfermer les personnes dans des rôles qui soient types, des types d'emplois qui visent toujours à ce qu'ils soient eux-mêmes sur scène. Voilà. Mais au contraire, de les amener à déployer de multiples figures. Et ça, c'est ce que je disais, ça implique vraiment un processus de formation et d'apprentissage et de formation qui est long, mais qui surtout doit être constant. Hein, ça doit être, la formation doit être constante et c'est qu'il est nécessaire aussi de renouveler en permanence. Et c'est une dimension qui est souvent occultée. Quand on parle aussi des processus d'inclusion des artistes en situation de handicap, cette dimension de formation. Ok, Nicolas lève la main donc je vais lui laisser la parole. Peut-être effectivement donner la parole à Tiziana qui l'avait demandé. À Tiziana, effectivement, je vois effectivement là aussi sur. Ok, j'avais pas vu, d'accord. Sur le net, et puis ensuite je la reprendrai sans problème, à part si j'ai des questions dans l'auditoire, bien sûr. En présentiel, vous pouvez aussi, bien sûr, poser vos questions. N'hésitez pas, il y a un micro pour ça. Bonjour à tout le monde, et merci pour cette colloque, vraiment très, 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 très intéressant depuis hier. Et ce matin, les trois interventions, vraiment très, très intéressant. Alors, une question. Alors, Anansi, merci beaucoup pour cette très riche intervention. C'était juste une question pour vous demander si, dans les milieux des activistes et des artistes sur scène, la scène contemporaine aujourd'hui en Inde, entre les chorégraphes et les metteurs en scène, s'il y a des femmes. Parce que j'imagine que oui, et comme vous l'avez bien dit, on ne peut pas en 20 minutes tout dire. Et s'il y a des femmes qui sont, comme on dit, et je pense intéressant qu'est-ce que vous avez dit sur la question du professionnalisme, parce qu'effectivement, être professionnel dans l'art de la scène en Inde, c'est très compliqué et généralement, la plupart viennent d'un milieu très favorisé. Ça veut dire c'est aussi ou essentiellement mal, comme on dit, bon, mais ça c'est une autre chose. Et après, juste une réflexion à Maud vis-à-vis, parce que j'ai pensé
une expression qui souvent était utilisée et débattue aussi dans les milieux des porteurs d'handicap et qui sont du travail, que je trouve c'est très, très, très parlant, très éloquente, l'idée de ne pas définir comme porteur d'handicap, mais autrement habile. Je sais, par exemple, en Italie, c'est une expression qu'on essaye d'utiliser pour éviter d'éventuelles discriminations. Est-ce qu'on peut aussi employer ça sur la scène, par exemple, et dire qu'effectivement, ces artistes portent autrement des choses avec une richesse et une particularité qui fait on dit, je ne sais pas, cette expression me parle beaucoup, de dire vraiment pour, en quelque mesure, éviter cette idée, il y a, comme on dit, une normalité et quelque chose qui exulte, comment on dit, exile, mais qui est autrement. Je ne sais pas si ça peut être utilisé aussi. C'est tout. Merci. Alors, merci Titiana. Bonjour, ça fait plaisir de se voir. Et donc, par rapport aux femmes artistes activistes sur la scène contemporaine, pour moi, même si donc elle est plus, elle est décédée et que c'est peut-être déjà une autre époque, mais je pense évidemment à Chandra Lekha qui s'était arrêtée de danser pendant 20 ans le Bharatanatyam. Parce qu'elle ne trouvait plus de sens et que justement il y avait un décalage entre ce qu'elle racontait sur la scène de l'ordre de la mythologie et ce qu'elle pouvait voir dans les quotidiens, dans les journaux. Et puis il y a donc Malika Sarabeï dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, qui était une activiste qui est toujours en fait et qui elle est dans l'état du Gujarat. Et puis bien sûr je pense à Maya Krishna Rao que j'ai citée, qui, elle, donc, est une praticienne de Kathakali et qui est une vraie performeur qui fait des scènes avec des centaines, parfois des milliers de personnes dans des parcs ouverts à Delhi. Vous pouvez voir certaines de ses vidéos. Elle a aussi un site internet pour ceux qui ne la connaissent pas, mais il y a Krishna Rao qui est vraiment, qui, elle, à chaque fois, va défendre. Enfin voilà, chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui passe avec qui est controversée, elle va forcément en parler, elle va forcément faire un spectacle dessus. Voilà, dans le cas de Chandra Lekha et Maya Krishna Rao, il y a aussi un acte féministe associé à leurs actions. Et puis je pense aussi à Sangeeta Ishwaran que tu connais aussi, qui est à Chennai, qui, elle, se dit être une artiste activiste. Alors un petit peu dans son esthétique et dans les thèmes qu'elle aborde sur scène. Je pense notamment à la reprise de poèmes de Karaika Lamayar, qui était cette poétesse tamoule voilà, qui représentait les seins nus, qui était dans les cimetières, là où est prié le dieu Shiva, en tout cas sous sa forme. Voilà, et donc elle avait repris ça, qui a été controversé. La façon de s'habiller de costume sur la scène classique a été aussi controversée, mais aussi par ses actions, et notamment ses actions en dehors de l'Inde, qu'elle a beaucoup fait, où elle intervient avec les codes de cet art du Bharatanatyam, donc des codes esthétiques, ou parfois même certains aspects de la technique, les mudras, donc le langage des mains, ou l'abhinaya, l'expression du visage, de travailler avec des personnes qui ont été choquées par la guerre, voilà, des enfants sur des zones de conflit, des prostituées, ou des, voilà, certains milieux défavorisés, que ce soit en Amérique du Sud, en Indonésie, ou dans d'autres pays. Ça, mais qui viennent à des milieux qui ne sont pas favorisés, dans le sens, vraiment, s'il y a, si on peut trouver en Inde, je ne sais pas si à Delhi, certainement pas au sud, à ma connaissance, mais qui des femmes qui ne sont pas vraiment de l'élite urbaine, qui peut se permettre aussi, si veut, de critiquer, mais qui sont
comme on dit, derrière, il y a tout un background qui lui permet aussi de dire oui au gouvernement ou dire non. Mais qui sont, il y a une incolumité, comme on dit, ils ne sont pas touchés, pas finalement. C'est un peu exprimé, mais parce qu'ils sont dans une situation privilégiée. Tout à fait. Donc, c'est dangereux même, je pense, quand on vient d'un... Quand on vient d'un milieu défavorisé. Je trouve que c'est compliqué pour tous nous qui ont travaillé cela. C'est qui donne la voix à les marginalisés et qui, même avec un grand chapeau, ceux qui viennent dans les classes favorisées, qui permettent aussi d'en parler, mais qui vraiment, on a du mal à entendre la voix des gens concernés. Ça veut dire, on lui prête toujours une voix. Est toujours filtré en quelque mesure. C'était juste si jamais vu que tu tout à fait. Il y a l'exemple de Tilaka Palani qui elle est, vient du Terukutu, mais qui justement c'est un Gitaïch Varan a mis sur scène sur un projet notamment auquel j'avais participé qui s'appelait Mayaka Moximore. Il y avait à la fois un graffeur qui faisait de la light painting, un musicien chercheur de l'IRCAM, et donc voilà. Et c'était et donc elle a continué, mais elle n'est pas du tout médiatisée et elle n'a pas forcément intérêt à l'être, comme je le disais. Enfin, tu le dis toi aussi, c'est bien tout à l'heure la Tiam Krishna qui est reconnue mondialement comme le chanteur karmatique et qui doit être protégée pour ses concerts. Donc on imagine bien qu'avec la posture encore délicate dans cette société patriarcale des femmes. Voilà, c'est compliqué. Donc, en effet, déjà dans les arts de la scène, quand on peut se professionnaliser, c'est qu'on vient d'une certaine classe sociale. Clairement, c'est très rare en fait qu'on vienne d'une classe sociale plus basse ou d'une basse caste et qu'on puisse continuer à se professionnaliser. C'est extrêmement rare quand on est une femme, encore moins. Donc, ouais. Merci. Merci à toi. Merci hein, pour l'expression autrement. Habile. Oui, c'est la question. Oui, c'est utilisé en France. Je ne sais pas. Je sais qu'en Italie, c'est tout un débat aussi éthique sur ça. Mais le débat, il est tout à fait important en France de ce point. Sa question de la catégorisation et de l'hétérocatégorisation. Comment on se fait, comment on est catégorisé, comment on s'auto-catégorise. Il y a un enjeu pour les artistes à se réapproprier les définitions de soi. Soit il y a deux positions possibles. Soit on va mettre à distance la catégorie et donc on va chercher d'autres catégories que la catégorie handicapée qui reste quand même quelque chose d'assez stigmatisant. C'est difficile de la reprendre de façon positive, donc on va la mettre à distance et on va utiliser quelquefois différent ou bien extraordinaire. Enfin, voilà, il y a plusieurs des expressions et des catégories comme ça qu'on va utiliser, soit au contraire on va la revendiquer. Cette catégorie d'handicapés ou d'autistes, par exemple, c'est le cas d'artistes en Angleterre, par exemple. En tout cas, c'est un débat. Et c'est un débat aussi qui est mené au sein des institutions comme les ESAT. C'est un débat donc qui est mené collaborativement entre les administrateurs, les comédiens, les metteurs en scène, enfin les artistes donc qui sont invités à intervenir. Et il y a donc toute une discussion pour savoir si on doit se définir ou pas comme compagnie de personnes en situation de handicap quand on joue sur des scènes nationales. Et donc, voilà, selon les ESAT et les différents organismes et compagnies, la position ne va pas être forcément la même, mais l'enjeu est de taille, parce que il est tout à fait... En fait, l'enjeu est de taille parce que pour des artistes en situation de handicap, pour être reconnu comme artiste, la reconnaissance d'artiste passe par la reconnaissance de leurs compétences et pas celle de personnes, pas du point de vue de leur handicap. Mais le public, généralement, est toujours plus sensible à la dimension de handicap, et ce, quelles que soient les performances, quels que soient les spectacles. C'est-à-dire que cette identité de handicap, elle est reconnue
d'emblée, en fait, par le public. Ce qu'on voit d'abord, c'est une personne handicapée sur scène, un musicien en fauteuil roulant. Voilà, on voit d'abord le handicap, ce qui est toujours vu de façon positive. Voilà, quelle que soit la qualité artistique de la production, par ailleurs, c'est bien. Voilà, c'était une évaluation et c'est politiquement c'est bien. Mais ce qui est plus difficile justement, c'est cette question de professionnalisation, parce que soit sur scène vous voyez un bon acteur et le handicap passe à l'arrière-plan, soit vous voyez d'abord le handicap et ce qui frappe c'est le handicap et la dimension de jeu et d'acteur passe à l'arrière-plan et le public va se focaliser sur la dimension du handicap. Et de ce point de vue-là, le processus de professionnalisation, il est toujours risqué, enfin, il est toujours remis en jeu de ce point de vue, parce qu'il peut toujours échouer, parce que le handicap peut toujours venir au premier plan et en quelque sorte brouiller l'évaluation et la réception par le public. Merci. Merci à Nancy, merci à Maud. Nicolas Nerkam, je vais la distinguer parce que je vois Nicolas Bautes aussi qui voudrait. D'accord. On va passer à Nicolas et puis j'essaierai de terminer parce que peu à peu vous répondez aux questions que j'avais effectivement en tête. Par conséquent, on va. Ok. Donc, Nicolas Bautes. Si vous voulez poser votre question. Voilà. Bonjour. J'ai pas entendu, je n'entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je ne vous entends pas. Oui, on t'entend. On t'entend, Nicolas. Je vais essayer de faire un semi-silencieux. Merci beaucoup, Nancy. J'ai malheureusement raté une partie de ton problème de connexion. Et j'aimerais relayer un petit peu quelques éléments qui ont été abordés par Nancy et puis par Tiziana. Simplement une petite remarque que je trouve intéressante et qu'on aura à aborder la semaine prochaine dans un événement assez proche. Mais je trouve très intéressant la perspective de la manière dont on assigne l'artiste à une forme d'identification. Et à ce titre-là, la figure de l'artiste handicapé comme la figure de l'artiste qui serait indien promu ou en tout cas qui ne fait du tout peu par l'intermédiaire d'un médiateur. Vous parliez, Tiziana, particulièrement du fait qu'une partie des artistes s'exprimait aussi au nom d'autres qui étaient des personnes plus identifiées. Auxquels ils donneraient leur voix, et donc ça pose bien entendu des problèmes d'interprétation, de légitimité, de portée de la voix de l'autre, etc. Et je m'interroge sur les émergents, justement, les formes de relais qui sont pas forcément, qui émanent pas forcément d'une élite sociale, mais plutôt d'une moyenne urbaine et qui vise à introduire dans le débat politique via des interventions artistiques un ensemble de personnes provenant des mondes ruraux et particulièrement des femmes, encore plus particulièrement des femmes dalites, à travers notamment de chants ou de toute une forme d'art dit populaire par la chanson, etc. Et à ce titre-là, les réseaux sociaux peuvent aussi jouer le rôle de médias qui permettent d'élargir le public sans forcément donner accès aux pauvres à leur propre voix, sinon en performance, j'allais dire. Et ça, je trouve que c'est des aspects qui sont à la fois, qui obstruent l'analyse et qui méritent aussi d'être étudiés de près. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je peux me permettre juste de rebondir aussi, ou c'est pas possible. Oui, oui, c'est tout à fait. La discussion est réouverte. Ben, c'était par rapport à ce que disait Maud. C'était juste rebondir là-dessus en parlant aussi des comment dire, qu'il y a des systèmes de valeurs différents qui sont toujours mis en opposition entre le milieu social et le milieu culturel. Et Marie-Christine Bordeaux, justement, elle met
en avant ces différences de systèmes de valeurs qui sont toujours accordées en fonction qu'on soit dans le système, dans le monde culturel, avec des exigences de qualité esthétique, artistique, et le monde du secteur social qui, lui, revendique plutôt les valeurs démocratiques, civiques, éthiques, d'accès à la culture. Et qu'à un moment donné, il est justement nécessaire d'avoir... Il y a une rupture qui s'est faite entre le secteur du social et le secteur de la culture, et que, justement, il serait... peut-être bien d'envisager à un moment donné de relier ces deux systèmes de valeurs et de relier les valeurs d'exigence qualité artistique et les valeurs démocratiques, civiques, et que souvent, justement, ces deux critères qui sont accordés en fonction, qu'on soit du secteur social ou du secteur culturel, favorisent des fractures, des ruptures, des oppositions. Et voilà, enfin, c'était juste pour rajouter que... que souvent, on n'a pas les mêmes attentes en fonction qu'on se trouve dans un secteur du social et de la culture, en fonction des valeurs qu'on accorde à l'un ou à l'autre. Enfin, voilà. Je ne sais pas si... Merci. Et moi, je voulais aussi, du coup, rebondir sur... Bah, merci, Nicolas Bottès, du coup, Nicolas. Et bonjour, ça fait plaisir aussi de se voir. J'entends les corbeaux et je vois le fan dans tes cheveux, donc je vais... voilà. Et par rapport à ce que tu dis, ouais, c'est clair qu'il y a une vraie, enfin, il y a une vraie fracture aussi. Il y a les arts, enfin, populaires, dits populaires, folk d'un côté, où t'as tout ce qui est spectacle de marionnettes, Boom Malatam, et puis tout ce qui est fait dans les villages, le telkotu, etc. Donc là, c'est un art populaire dans les villages, où les troupes se déplacent de village en village, etc. Et où il est question aussi, entre deux phrases du Mahabharata, de glisser aussi des petites phrases réflexives sur le pouvoir politique ou les injustices. Et puis d'un autre côté, la scène contemporaine que j'ai montrée là, avec justement ce metteur en scène, Tsuji Seppo, qui m'a dit dans un entretien, je le cite, « It's happening within a very privileged and cultural and nearly, I would say, elite world. » Donc pour lui, en fait, il y a vraiment ce milieu culturel élitiste privilégié, et donc il est conscient de ça. Après, il y a justement le metteur en scène dont je parlais, Mroga Boupatié, dont on avait aussi parlé ensemble à l'IFP au Tamil Nadu, qui lui, je trouve, fait un petit peu ce lien, même s'il a du mal à rentrer un peu dans l'élite parce qu'il vient d'une caste, enfin, il est tout simplement pas brahmane, et puis voilà, même s'il vient d'une famille d'artistes, de poètes, etc., il vient quand même d'une basse caste, et donc il a du mal à se frayer son chemin, mais il est quand même programmé, donc même s'il joue avec des fermiers dans les villages, il est aussi programmé sur des grosses scènes pendant des festivals, et je pense notamment à un festival donc c'est qui se passe dans une forêt, mais où il y a beaucoup de gens de la culture, ou justement les privileged and cultural elite qui viennent voir ce festival où il a aussi joué. Donc, il est quand même reconnu, mais c'est vrai que c'est un peu tu. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va prendre son envol, un peu comme Titiana, ton maître de Bharatanatyam, Swami Pillai, était un artiste immense et un chorégraphe incroyable. Et bien sûr, là aussi, sa reconnaissance s'est faite. Après sa mort, on sait que c'est une des raisons et que, bien sûr, elle ne venait pas de la caste des brahmanes, qui s'est réappropriée cette forme d'art qui l'a recréée, d'ailleurs, sur scène, même si ça a permis de pouvoir continuer à transmettre ça. Voilà, il y a quand même cette chose-là qui est encore là, et son fils aussi. Alors, Cécile avait une petite remarque à glisser, je crois. Oui, mini remarque pour Maud. Tout à l'heure, vous avez dit très justement, les personnes souvent du public voient en premier lieu le handicap. Hein. On voit d'abord une personne handicapée, mais les enfants, c'est un public extraordinaire pour justement ne pas voir cela et apprécier le spectacle et apprécier la personne. J'en ai eu plusieurs témoignages. Juste, je voulais dire ça. Donc, commencez bien sûr pas
forcément sur les spectacles qu'a montré Nancy tout à l'heure, mais amener des enfants à certains spectacles avec des personnes en situation de handicap divers, et ils voient le spectacle, ils voient la personne, la présence, vous disiez tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Merci, j'aime pas poser les questions dans le chat, je trouve que c'est déshumanisant. Très bien, très bien. Alors, peut-être Nicolas, ta question, puis on pourra clore sur ça. Voilà. Merci Mathilde. Voilà, c'est l'avantage un petit peu de terminer là aussi, de parler à la fin, c'est que beaucoup de choses ont été dites, hein, et c'est pas plus mal. Parfois, ça va me permettre, tout de moi, j'espère, un peu de gagner du temps. Merci beaucoup pour ces trois interventions. Merci énormément. Les questions que vous avez posées ont été en partie, là aussi, les questions les réponses que vous avez pu donner des différentes interventions, et par conséquent, je vais être relativement court. Merci beaucoup, Nancy, pour ce panorama, ce rappel des conditions de création en Inde, qui sont des conditions extrêmement difficiles au niveau de la liberté d'expression, hein, qui sont effectivement extrêmement périlleuses, où l'on sent bien ce qu'on aurait coutume d'appeler une forme d'activisme artistique, quel que soit là aussi le domaine artistique, qui semble se fédérer contre l'affirmation de l'Hindutva, hein, contre l'affirmation effectivement là aussi de la droite nationaliste que tu as très bien décrite. Et dès lors, et ceci rebondit effectivement sur la dimension sociale des participants à cette sphère artistique, on commence à critiquer énormément le fameux sécularisme. J'emploie effectivement le terme à l'anglaise, puisqu'effectivement la laïcité est totalement inappropriée le cas de l'Inde. Mais ce sécularisme est véritablement discuté, autrement dit, il est défendu bec et ongle par une classe moyenne anglicisée, dirons-nous, hein, et il paraît totalement délaissé par une partie extrêmement importante de la population, tant le peuple en tant que tel, les personnes les plus basses de la hiérarchie sociale, autant effectivement là aussi que les classes moyennes. Et puis également, je voudrais que tu me parles un petit peu du phénomène du blasphème, le blasphème qui est également là aussi une pierre d'angle extrêmement puissante en Inde, puisque le blasphème, là aussi, est condamné, et on sait très bien les événements particuliers autour de Makboul Fida Hussein et les persécutions autour de cet artiste. On sait très bien comment, au nom du blasphème, là aussi, un certain nombre d'expositions, je pense à Baroda, avec Shivaji Panikkar en particulier, ont été interdites. Je voudrais avoir effectivement ton point de vue sur la question du blasphème et justement le domaine des arts vivants et du domaine du spectacle en Inde. Une question pour Maud, j'ai trouvé extrêmement intéressant cette question et cette réflexion là aussi autour de la catégorie qui dépasse largement la catégorie de handicap, mais qui est extrêmement intéressante. Alors, indépendamment de RQTH, des MDPH, autrement dit, quantité de dossiers que doivent faire ces personnes qui déjà, effectivement, là aussi, les désempressent, effectivement, les déstructurent par rapport à leur propre autonomie. C'était tout à fait intéressant de mettre en balance quelque part et en écho à la fois le modèle des droits civils d'un côté et le modèle de la protection sociale de l'autre. Ça voit effectivement nos façons de voir le handicap qui sont extrêmement intéressantes. Soit on le voit comme des personnes vulnérables qu'il faut protéger parce que l'environnement leur est relativement hostile, en m'excusant des ellipses que je vais être amené à faire, soit considérer qu'ils sont déjà en tant que tels susceptible d'être autonome, et par conséquent, c'est l'environnement effectivement qu'il faut changer. J'ai bien apprécié également là aussi le théâtre comme espace de parole des handicapés, hein, autrement dit au travers duquel ils jouent leur rôle, mais tu as bien, je me permets de te tutoyer, excuse-moi, mais tu as effectivement bien situé justement là aussi l'état un peu de piège dans lequel ceci effectivement pouvait effectivement donner lieu. On a besoin de catégories, et à la fin des catégories, ils peuvent emprisonner. Je pensais à un autre exemple, mais qui est à la fois un lien avec un lien tout à fait distant, celui de l'artiste sujet britannique d'origine nigériane, Shoni Barre, Yinka Shoni Barre. Je crois qu'on en parlait dans les chats, effectivement, là aussi, hier en particulier. Lorsqu'il a effectivement soutenu son travail, son chef-d'œuvre dans son école d'art, hein, eh bien, à cause de sa couleur de peau, il a fait un travail sur la perestroïka. On lui a dit, mais la perestroïka n'est pas un sujet pour vous. Où est votre africanité ? Il a été absolument stupéfait. Autrement dit, dans le domaine du handicap, on a tendance toujours effectivement à enfermer le handicapé dans ce qu'il doit effectivement représenter. La question, c'est savoir, est-ce qu'il est utile que du Shakespeare, du Beckett, du UNESCO soient également joués
par des artistes effectivement handicapés, comme c'est le cas ici. Et il y a vraiment une quête particulière. Il y a effectivement des filtres de perception, aussi bons et bénéfiques soient-ils, qui sont à changer progressivement. Et enfin, effectivement, un peu ma question pour Marianne. J'ai beaucoup apprécié, effectivement, là aussi, ton intervention. Hein. Je vais continuer le tutoiement, excusez-moi, en fait, c'est le bénéfice de l'âge, là aussi, probablement. Hein. J'ai bien aimé également, là aussi, le travail sur l'objectif n'est pas un art résultat. Ce n'est pas présenter quelque chose en galerie. Alors, tu as parlé d'un art de rentabilité, mais c'est vrai qu'on s'y confronte régulièrement. Dans l'exposition qui a été organisée aujourd'hui à la Maison des Arts et qui présente l'atelier des étudiants des masters pro artistes intervenants, on se heurte à ce genre de choses. Autrement dit, comment restituer, dans le cadre d'une exposition, un moment qui est un moment relationnel, un moment qui est un moment de démarche, un moment qui est un moment où l'œuvre ne se construit pas, il n'y aura peut-être pas d'œuvre, mais où tout se noue. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et je pense que là, il y a à la fois une mutation, comme tu l'indiques, de l'artiste, incontestablement. L'artiste qui doit être, là aussi, avoir un panel qui doit être à 180 degrés. L'artiste qui, parfois, doit être un outil, et peut-être un outil, comme tu l'as évoqué, là aussi. Mettre l'autonomie de l'œuvre d'art de côté. Et puis, à la fois, comment le présenter? Comment présenter ces moments relationnels? Par quoi? Par la vidéo, par des photos, par des installations, par des textes. Ceci est éminemment complexe et il y a à la fois tout un travail presque de scénographie et de représentation. En vous remerciant. Merci beaucoup, Nicolas. Je commence du coup et par rapport au séculaire en Inde. Justement, c'est une question qui m'a trottée pendant que je rédigeais cette communication. Comme justement la philosophie hindoute, elle cherche à vraiment faire une identité religieuse et culturelle unique. Et la réaction justement de certains metteurs en scène ou chorégraphes, c'est d'être plutôt dans le séculaire ou dans une autre uniformité, en fait, qui est aussi celle de l'art contemporain et qui est aussi celle qui est finalement globale. Donc, la danse contemporaine, ça doit être comme ça. Le travail de Padmini Tétour ou de chorégraphes comme ça qui sont vraiment dans une neutralité des visages, une volonté de ne pas utiliser de symboles pré-hindous, alors que par exemple Chandralekha, elle en utilisait vraiment consciemment, mais avec un vrai savoir autour de ça. Ça me questionne aussi la réaction, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, de Mandeep Raiki dans Anatomy of Belief, où justement il a observé ses façons de prier, etc., et il en fait quelque chose finalement contre la religion, parce qu'il y a cet extrémisme religieux qui est là. Mais personnellement, je trouve ça, je trouve que ça devient peut-être un autre extrême, parce que il faudrait peut-être justement continuer à préserver c'est un outil culturel, hein, et c'est justement les rites et les cultes pré-hindous qui sont en danger, qui sont à la fois religieux, sacrés, mais qui sont des rites pré-hindous, qui même après se sont développés en même temps que l'hindouisme, hein, qui est finalement une religion, enfin, on peut dire relativement récente. Là, en fait, il s'agit vraiment d'une idéologie politique et donc une façon d'être hindou, une seule. Et clairement, le fait de combattre ça par ne plus avoir de religion du tout, parce que ça tend à ça, en fait, à une Inde séculaire, me paraît dangereux. Je pense que si chacun reste, mais ça c'est mon personnel, si chacun reste justement dans sa tradition, ses racines, il y a une vraie communication qui peut se passer, comme elle s'est passée pendant des millénaires en Inde, entre les différentes communautés, etc. Ça n'a pas toujours été rose, mais voilà. Donc, voilà ce que peut en dire par rapport au blasphème et justement ces interdictions dans les arts de la scène. À ma connaissance, je n'ai pas été confrontée à ça. J'ai pas entendu parler d'interdictions pour blasphème, et je pense notamment
que cette tradition rituelle dans laquelle le corps est très engagé, justement, dans des rites qui peuvent être physiquement très, très impressionnants, hein, pour ceux qui ont déjà vu des rites indiens. C'est, donc, comme le corps est déjà engagé, qu'il y a déjà cette culture, en fait, ou même cette culture, justement, de voir des déesses, de voir avec la langue tirée, les yeux exorbités, le sang, etc. Donc, quand c'est reproduit par le corps, quand c'est autorisé, donc quand ça passe, du coup, le premier... Eh ben, ça passe tout court, il n'y a pas ça. C'est peut-être plus dérangeant, en effet, dans les arts plastiques, où là, il y a eu des interdictions, des montages d'expos, etc. Mais à ma connaissance, dans les arts de la scène, non. C'est vrai qu'après, ils s'autocensurent aussi déjà pas mal. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Enfin, même si on a vu... Oui. Pardon, juste une petite remarque, Nancy. Concernant effectivement là aussi le sécularisme en Inde, il est extrêmement complexe, il est largement débattu, Ashish Nandi le débat, mais ce n'est pas une exclusion justement du religieux là aussi, c'est bien l'acception effectivement là aussi générale du religieux, c'est l'une des conceptions un peu, alors qu'on peut qualifier d'anglo-saxon au niveau de ses origines, mais à peine là aussi, mais l'une des caractéristiques effectivement là aussi du sécularisme indien, c'est qu'il reconnaît, l'État reconnaît toutes les religions. L'hindoutva, c'est le fait que peu à peu, l'État ne reconnaisse plus effectivement cette pluralité des religions. Juste. Oui, merci. Ouais, du coup, c'est moi qui n'ai pas utilisé le bon mot dans ma réponse, mais c'est vrai que, tu vois, le metteur en scène dont j'ai parlé, Sujit Seppal, quand je parlais de ce danger de justement tout, c'est que justement, il va reprendre des gestes ou même, du coup, critiquer tout à coup tous les gestes religieux, alors que même les gestes religieux hindous qui sont inculqués depuis la naissance et qui appartiennent aussi à des membres du BJP ne sont pas forcément à éliminer. Et que lui, dans sa réflexion, je trouvais, voilà, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mince, il va y avoir peut-être cette tendance, du coup, dans cette élite des arts du spectacle, de justement tout uniformiser et de ne plus... du coup, de rejeter complètement la religion parce que ça les renvoie à ce parti, à cette idéologie qu'ils rejettent. Est-ce que je peux juste, et après je vous laisse, juste pour... Vraiment penser à Laure bientôt, je suis vraiment désolée, mais vraiment très très court. Chaque... Oui, simplement pour rebondir à ce que disait aussi Nicolas, la question du sécularisme se base vraiment sur une question de la constitution de l'Inde, dans le sens qui néglige pas du tout, au contraire, c'est ce que disait aussi Nicolas, c'est intéressant parce que permettre de célébrer la diversité, l'unité de la diversité, c'est justement, c'est comment dire, un parasol qui on peut parler aussi de la laïcité si vous voulez, mais qui permettent justement l'expression de toutes les formes religieuses ou pas religieuses, même l'athéisme. Mais le problème, je pense, qu'aujourd'hui, c'est qui même cet élément fondateur de la constitution indienne est en péril. Parce que, et ce n'est pas le risque d'effacer toute forme de religion. Le risque, c'est beaucoup plus... Comme on dit, c'est extrêmement grave parce que c'est un attentat vraiment à un des principes de base de la Constitution indienne qui a été rédigé dans les années 50 da des gens qui étaient aussi avec une grande, comme on dit, présence des socialistes. Cioè, comme on dit, c'était pas et qui reconnaissait malgré ça les statuts de toute forme des cultes. Alors, moi, je pense que ce n'est pas le risque d'effacer tout ça, mais c'est l'attentat vraiment à les bases de la démocratie et de la Constitution, telle qui a été rédigée dans les années 50 et qui encore aujourd'hui on a et qui s'est partie fasciste dans le vrai sens du terme, parce qu'il y a des racines aussi dans les fascismes italiens, il y a des chercheurs que l'on. Dans les nazismes aussi, il a pris le nazisme aussi comme exemple. Ça veut dire qu'il y a des preuves aussi des formes des pouvoirs autoritaires qui se reconnaissent dans ça. C'est pour ça que je pense que je comprends tout à fait bien, Nancy, que la préoccupation de dire qu'il ne faut pas arriver dans l'autre extrême, parce que ça sera dangereux, dans tout cas. Mais là, vraiment, on assiste à des choses qu'on n'a jamais vues, même s'il y a eu des périodes qui
que tu as évoqué aussi pendant l'emergency ou des situations difficiles. Mais là, on voit des choses qu'on n'a jamais vues avant, depuis l'indépendance. Vraiment d'extrême droite, mais vraiment des fascinazismes, hein? Vraiment, vraiment dans le sens du terme. Bon. Merci, désolé. Mais grand merci à tous les intervenants, à tous les questions, vraiment très passionnant, très, très, très enrichissant. Alors, je sais qu'il y avait peut-être une réaction de la part de Maud sur la question précédente. On va faire très court, il faut qu'on ait aussi le temps de pouvoir aller déjeuner pour reprendre. Oui, non, mais je n'ose pas, à vrai dire, je n'ose pas. Merci beaucoup, Nicolas, pour tes remarques. Donc, je n'ose pas dire ce que j'avais envie, parce que ce que tu as dit, mais je ne le dirai pas. Mais c'est intéressant de faire le lien, en fait, entre les arts vivants et les arts plastiques que je n'ai pas fait, parce que j'ai parlé que des arts vivants. Mais cette question de la catégorie et de l'enfermement dans les catégories des personnes handicapées dans les arts vivants, dans les arts plastiques, elle se pose différemment, une histoire différente aussi. Hein, la reconnaissance, elle est très ancienne maintenant, avec des processus de légitimation qui sont déjà bien. Donc, c'est un petit peu différent pour les arts vivants, mais c'est différent aussi à la fois du côté de la réception et de la production, de la réception, parce que pour un plasticien, ce qu'on évalue d'abord, c'est les objets. Et au fond, la reconnaissance, elle va passer par la reconnaissance des objets. Alors que pour dire les choses très vite, hein, évidemment, en art plastique, on a de la performance, mais disons, quand on a de la production d'art plastique, ça va passer par la reconnaissance des objets. Et donc, il s'agira de transformer le regard sur les objets d'abord. Et ensuite, voilà, par effet de ricochet, en quelque sorte, on a l'espoir que ça va transformer le regard sur les personnes. Alors que pour les arts vivants, comme la profession de comédien suppose l'engagement de la personne, hein, c'est le corps qui est engagé, c'est toute la personnalité. La transformation du regard sur les artistes, la transformation du regard qu'on porte sur eux passe par la transformation des artistes, hein, La performance n'est pas dissociable de la personne, et donc il s'agit de transformer non pas le regard sur les objets, mais le regard sur les personnes. Donc c'est assez différent. En revanche, du côté de la production, c'est similaire, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que si la personne, elle acquiert un statut professionnel, elle se vit comme artiste. Hein, donc, l'objectif, qu'on soit dans les arts plastiques ou qu'on soit dans les arts vivants, l'objectif, c'est d'être connu pour pouvoir se vivre, hein, soi-même comme artiste. J'ai été trop longue, pardon. Ben moi, je voulais juste remercier Nicolas, mais c'est pareil, je voulais rebondir sur quelque chose, mais je le ferai pas. Mais juste, ça m'évoquait la posture la posture de l'artiste. Et comme je suis en recherche-création, on questionne également de la même manière la posture du chercheur en recherche-création, puisqu'on fait de la recherche et on crée en même temps. Mais bon, bref, voilà, je continuerai pas. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous trois pour vos communications, et merci à l'ensemble des participants pour leurs questions. Le débat est interminable.